You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Comment la famille peut participer dans le développement du pays? Je pense que d'abord, la famille doit d'abord éduquer leurs enfants, leur apprendre que l'éducation est la clé, leur apprendre l'importance de se bien tenir en société, leur apprendre à se limiter à certaines choses. Et après cela, on pourra remarquer que les enfants, après avoir reçu l'éducation qu'ils ont reçue, ils seront beaucoup plus investis, beaucoup plus engagés et ils seront des citoyens honnêtes. Et dans le développement du pays, ce n'est pas seulement une famille, ce n'est pas seulement une dizaine de familles qui va pouvoir apporter le développement ou apporter le changement au sein de notre société. Je vous invite, vous qui avez une famille, d'éduquer vos enfants et leur apprendre leurs limites dans la société. Merci. Et c'était Esther Michel. Et maintenant, place à Christelle Duverso. Comment peut-on influencer le monde avec les réseaux sociaux? Nous sommes dans une société où notre jeunesse actuelle, nous avons tendance à minimiser l'utilité des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux sont là pour nous apprendre, pour nous former davantage. Aussi, nous pouvons suivre des cours en ligne. Donc, utiliser les réseaux sociaux en bonne issue, c'est utiliser ces critères, ces formes pour avancer, pour améliorer notre capacité et aider les autres. C'est promouvoir notre culture haïtienne, c'est promouvoir la beauté de la pierre des Antilles et promouvoir ce qu'on fait. Notre mission, c'est d'améliorer le changement. Merci. Est-ce que tu peux établir une politique générale pour la défense des droits des femmes? Je pense qu'en tant que jeune femme, nous pouvons faire beaucoup plus. Nous avons beaucoup d'influence sur le monde en tant que femme. Nous avons la possibilité, nous sommes libres. Nous pouvons éduquer les enfants. Nous nous levons le matin pour faire beaucoup de choses. Nous sommes courageuses, nous sommes fortes. Nous sommes qui madame Sarah, c'est nous qui lever le matin pour nous faire tout le bagaille. Nous pas jamais peur. Donc, vous pensez que si nous mettons force nous ensemble en tant que femmes et que nous suspendons par exemple les rails sablants, nous arrivons loin, nous arrivons à construire une base qui est vraiment à côté comme nous loin. C'est pas seulement pour nous mettre comme si on pensait que c'est 40 et puis gaz nous avons plus, c'est pour nous égal, 50-50 et puis nous arrivons loin. Merci. Est-ce que tu peux définir ta vie comme un miroir social? Comme nous tous connaissons, mon élève de Chiel, oui. Moi, c'est petite Rosemary Nicolas qui sortit Saint-Ludinot. Petite Madame Saka. Petite Malérèse. Moi, je suis Saint-Ludinot, moi, un très Port-au-Prince. Pour moi, capable de venir dans l'institution financière qui c'est ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire. Moi, je considère tête, moi, tant que si mon mieux, qui pas les moyens pour aller à l'école, parce que moi c'est une classe sociale qui est pauvre, parce que moi c'est une classe sociale qui est malheureuse. Moi je fais un pire effort pour moi arriver là où je viens, moi à l'école, moi prends l'éducation comme bouclier pour moi capable de représenter mon premier. Mon premier, il n'est pas marqué dans la figure comme petite malheureuse. Mon premier, il n'est pas marqué dans la figure comme simplicieux. Mon premier, il n'est pas marqué en tant que financière, en tant que diplomate et en tant que femme voyante qui a coupé mon société qui bâtit sous développement social, culturel et économique. Merci. Que pensez-vous de l'avortement? Je pense avant tout que
qu'une femme doit avoir le droit sur son corps. Yes. Elle doit avoir le droit de savoir ce qu'elle veut pour son avenir. Elle doit nourrir, elle doit avoir le droit de penser pour son enfant. Je pense que l'avortement est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps. Parce qu'une femme ne peut pas avoir un enfant sans qu'elle ne puisse pas l'élever réellement. Et de la mauvaise manière, je pense que vous devriez faire de l'abstinence afin de mieux structurer votre avenir. Merci. Trois minutes. Vous êtes la porte-parole des femmes en Haïti. Que diriez-vous? Bonsoir à tout le monde. Femme, c'est potomite. Femme, c'est maman la vie. Si que moi porte-parole femme aujourd'hui là, moi a mandé gouvernement pour mettre un système judiciaire qui fiable où doit femme respecter tout le monde. Et deuxième bagaille, m'a mandé pour toute femme faire solidarité. Le femme victime en bas griffe, yon méchant. Pour nous mettre ensemble, pour nous dire, image comme ça, c'est image de tout. Nous devons collaborer, nous ne devons pas utiliser ça contre nous-mêmes. Et troisième bagaille, m'a dit, nous supposons éduquer les filles, pour être plus actives, pour prendre des risques, pour investir et pour être dans la tête. Pour nous, à venir. Que pensez-vous de la vaccination qui est obligatoire contre la COVID-19? Je vous remercie pour la question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez déjà, en 2019, ce fléau a ravagé le monde. Et jusqu'à présent, le COVID-19 est en train de faire ce même ravage. Comme je l'ai dit tantôt dans un live avec Miss World Haïti, le vaccin COVID-19 est venu apporter un soutien à la médecine traditionnelle que nous utilisons depuis longtemps. Pourquoi? C'est la science qui est venue à la rescousse de la médecine traditionnelle. Pourquoi on vous demande surtout de vous faire vacciner? C'est premièrement pour empêcher la propagation du virus. N'oubliez pas qu'à chaque fois que le virus rentre en... N'oubliez pas qu'à chaque fois que ce virus entre en collision avec un autre gène, ce même virus recrée un autre virus. Alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de vous faire vacciner? La première chose, c'est pour empêcher la propagation du virus. La deuxième chose, c'est pour permettre un avancée encore plus sûre avec la science qui va surtout apporter un apport à notre médecine traditionnelle et à la médecine du monde. Merci. Sans oublier, je dois vous dire, si vous n'êtes pas vacciné, il ne vous sera plus possible de voyager dans tous les pays. Donc, si vous n'êtes pas vacciné, c'est surtout, vous allez surtout empêcher mon corps, garantir la propagation du virus. Alors, je vous exhorte à vous faire vacciner, puisque la première chose, c'est gratuit. Et déjà, vous devez vous protéger, vous devez protéger vos enfants et surtout empêcher à ce que... Yes. Et surtout, empêcher, alors je ne vais pas dire empêcher, et surtout, n'oubliez pas que vous, en tant que Haïtien, nous avons été le premier pays à avoir un taux plus faible en COVID-19 dans le monde. Alors, pourquoi ne pas garder ce flambeau, hein? Que pensez-vous de l'émancipation des femmes en Haïti? Merci pour la question. Bonsoir, cher public. Bonsoir, les membres du jury. Le 13 août 1943, une femme est née. C'était la première dame à monter le pouvoir, même si c'était de façon provisoire. Herta Pascal Trouillot. Si j'aurais à définir une femme courageuse, ce sera elle. Parce qu'elle s'est battue pour nous, les femmes. Et vous savez, aujourd'hui, grâce à la modernisation, nous les femmes, on a notre place dans cette société. Autrefois, on nous considérait comme des créatures faibles qui ne faisaient que rester à la maison. Mais aujourd'hui, nous les femmes, on est docteurs, avocates, ingénieurs et même présidentes. Moi-même, 8 jeunes
avoir une place dans cette société. Égal, égaux, femmes et garçons. Ce que l'homme peut faire, nous les femmes, on peut le faire. J'aime le dire et je vais le dire ce soir. Si nous les femmes, on ne fait pas une chose, c'est qu'on a décidé de ne pas le faire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le pouvoir. Merci à toutes ces femmes qui ont combattu pour nous, Claire Heureuse, Michelle May, Maniga, sans oublier la femme qui m'inspire, Erta Pascal Trouillot. Continuez à vous battre, à créer une place dans cette société, vos femmes, parce que moi, Eugène Michardier, je suis et je serai toujours avec vous. Et la deuxième qu'on appelle pour le top 5, c'est Fabienne Auguste. La troisième qu'on appelle, c'est bien Esther Michel. On continue ou ça s'arrête là? La quatrième pour le top 5, mesdames et messieurs, c'est Erland Berger. Et la toute dernière qu'on appelle, qui fait partie du top 5, c'est bien Ludina. C'est bon? C'est bon jusqu'à présent? Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir toutes les miss. Et surtout celles qui n'ont pas été au top 5, on sait que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une grande aventure. La quatrième dauphine de Miss World Haïti 2021 est Esther Michel. Quatrième dauphine de Miss World Haïti. La troisième dauphine de Miss World Haïti 2021 est Multina Clerget. Dédication, un pile travail. Parfois, il y a des jours qui étaient faciles, mais aussi parfois, il y a des jours qui étaient très difficiles. Et non, ce n'est pas la fin, parce que pour un pile, ce n'est que le commencement. Nous-mêmes, dans l'organisation Miss Monde Haïti, nous prenons engagement pour nous continuer de travailler avec chaque grande candidate, 8 candidates, 8 finalistes qui étaient présentées aujourd'hui. Et c'est sûr que la préparation intense qui pourra le faire avec notre gagnante, notre Miss Monde Haïti 2021, Erland Berger, et aussi la première dauphine qui pourra représenter nous en Colombie pour Pineapple Queen, qui c'est Fabienne Auguste. Et nous allons continuer de travailler, j'aime dire nous, avec chaque grande fille parce que vous avez une voix, vous avez une belle image, vous avez un bagage pour vous dire. Donc ce n'est que le commencement. Moi, très excitée, moi, très contente, et aussi.
moi ouais bon Dieu passer avec je dis à que mon son nouvelle ambassadrice pour pays que m'ai pour mal faire drapeau pays me flotter à l'échelle internationale. Je dis à moi content et aussi pas comme dans le pape pas passer inaperçu m'a motivé jeune fille en Haïti pour prendre initiative pour vendre tête dans le sens positif non seulement pour risquer pour travailler sur tête pour croire dans tête. Je dis à moi c'est me content. Moi c'est me fier étant que une jeune fille qui saute en province qui grandit en province moi décrocher yo couronne mise de beauté année ça pas gain avec plus gros sentiment que me t'ai recevoir comme un sentiment de fierté. Bien pour représenter Haïti en décembre dans Miss Monde International. Est-ce que vous sentez prêt pour porter flambeau ça? Oui, moi prêt, et ceci avec accompagnement membre organisation yo. Moi pense que y'a metté au top pour bien préparer pour moi à représenter pays à dire. Moi prêt pour m'apprendre, moi prêt pour me travailler sur tête moi prêt pour m'améliorer et moi prêt pour me combler faiblesse. Grand pile message pour jeunesse là. Premier message que me gagne jodi a étant que une jeune fille province arrivé prend une couronne qui saute qui pas levé Port-au-Prince pour moi-même c'est parce que me prend en tête. Et deuxième bagaille c'est parce que moi honnête, moi humble pendant tout pas pour moi pas essayer piéger personne. Troisième bagaille c'est parce que moi osé. Jodi a nous devons prendre comme modèle parce que premièrement son jeune entrepreneur, moi prend risque dans la vie, moi sorti loin et que me gagne en pile bagaille pour partager avec nous dans l'avenir. Oui, je suis nommée Miss Europe 2019 et à cause de Corona, je suis tombée de 2 ans. Je pense que si mon jury a choisi, c'est parce que je mérite la capacité pour faire valeur à Haïti, dans le pays que je peux représenter. Déjà, félicitations. Et moi, je voulais dire tout, pas parce qu'on grand monde gagne, je voulais dire que l'autre, mesdames, n'a pas de valeur, pas de capacité. Malheureusement, quand on commence, on grand monde qui vous connaît, donc que la meilleure gagne et la meilleure à gagner. Mais toutes mesdames, ont une valeur, une capacité, et je permets pour toutes, pas camper avec le projet et continuer. Et si vous avez un grand conseil à Bali pour réussir pour le livre en durée en décembre, qui message à vous? Ok, à toi la nouvelle Miss, c'est pas facile du tout. Ça, mon yo dehors, c'est pas lui, il m'a dit en pile travail, en pile concentration et pral gen en pile difficulté. Moi, je souhaitais que ou même gen en pile courage et prêt pour affronter. C'est un bel bagage là dans un pays étranger quoi pour présenter pays malgré nous connaît problème pays en gain. Ma chérie, c'est une belle expérience déjà tu as dit avec toi qui sont bons professeurs qui guide ou bonne chance et fait plus que moi-même que ça me fait. Premièrement, je dis que Christian Michel très fier parce que moi j'étais mon moyen avec personnalité que me gagne mais jusqu'à présent je dis que moi fier de parcours moi de ça moi accompli pendant concours là de ça moi accompli pendant parcours moi pendant traverser mon concours là c'était une très belle aventure bon c'est ça en gros. Esther, depuis tout parcours là tu as défendu une cause qui c'est violence sous femme nous avons besoin d'éradiquer ça. Est-ce que nous avons dit n'a joindre Esther puis devant la même cause là? Bien entendu et c'est pas Miss Roll qui t'a fait nous commencer ensemble avec bataille ça, c'est pas Miss Roll qui fait nous a fait lutte ça, mais c'est un bagage que nous t'ai choisi faire personnellement, une décision que nous t'ai prendre à travers expérience que nous vivons, à travers expérience que proche nous vient vivre et du coup donc oui Esther va continuer ensemble avec même cause que la défendre. Déjà, je ne pense pas que Esther fait aucune erreur parce que j'ai été la personne qui a répondu à la question exactement comme si j'étais senti que j'étais répondu à la question. Et même le public là, est du même avis que même l'impact Miss m'a supposé première dauphine. Mais peut-être que le slogan du concours finalement n'est pas la beauté pour une cause et que c'est la beauté, je ne sais pas. Mais c'est pas que je suis satisfaite du résultat parce que je m'attendais à mieux, je me suis donné à fond et j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver là où je suis. Je pense que j'ai pas eu la place que je méritais, mais néanmoins je suis fière de la Miss Corona. Le message que j'ai à lui donner, c'est être soi-même, être authentique, continuer à faire son travail, continuer à lutter, à approfondir et à travailler sur son projet et à avoir, comment dire, le courage et la force de nous représenter à Porto Rico cette année.